En Amérique, les camelots font des tours de passe-passe avec les mots sur de la musique d'orchestre. En Amérique, les danseurs volent les bijoux des danseuses en dansant et se battent à coups de bâton pour un mouchoir blanc. En Amérique, les fermiers règlent leurs différends avec des fourches. En Amérique, les Noirs se font couper les cheveux dans des salons de coiffure réservés aux Noirs. En Amérique, les maris infidèles ont des enfants bâtards qu'ils placent ensuite chez de vieilles femmes noires. Les ouvriers sans emploi posent des travers sur les voies de chemin de fer pour trouver du travail. En Amérique, les prisonniers dorment à même le sol de la cellule. En Amérique, les dentistes soignent le mal de dents avec du whisky. En Amérique, les cochers chantent des chansons vulgaires. En Amérique, un homme noir peut porter le nom de Jasper White. En Amérique, les femmes se promènent ivres sur la voie publique. En Amérique, les inconnus parlent avec l'accent irlandais. En Amérique, les maris couchent avec leur belle-sœur. Les hommes qui n'arrivent pas à vivre de leur travail font de la contrebande de whisky ou d'armes. En Amérique, les jeunes filles deviennent des femmes au moment de leurs règles. En Amérique, les blancheurs chinois jettent de la soupe caustique aux visages des enfants. Les veuves de 50 ans couchent avec les jeunes aides-cuisiniers. En Amérique, les marchands se battent pour une différence de prix de 15 cents. En Amérique, les femmes trompent leurs maris quand ceux-ci ne réussissent pas dans leurs affaires. En Amérique, les hommes âgés épousent des jeunes filles que celles-ci le veuillent ou non. En Amérique, les médecins mangent de la viande en faisant des ardoises chez le boucher. En Amérique, les Noirs font la fête le samedi soir. En Amérique, les accusés vont en prison sans avoir commis aucun crime.
les épouses n'hésitent pas à demander le divorce si elles ne sont pas comblées sexuellement. En Amérique, les femmes exploitent des bordels. En Amérique, les gardiens de pénitenciers abandonnent leur poste pour rendre visite à leur maîtresse. En Amérique, les Chinois jettent des mauvais sorts sur les maisons. En Amérique, les Noirs jouent du banjo dans les écuries. En Amérique, les jeunes gens jettent de l'acide sur les chiens pour s'amuser. En Amérique, les hommes se donnent des coups de poignard dans le dos et dans les côtes pour une mauvaise parole. En Amérique, les fermiers s'entretuent pour une affaire de près de charrue ou une vache qui broute du maïs dans un champ. En Amérique, les charpentiers boivent beaucoup d'alcool. En Amérique, les mots se font des tours de passe-passe avec les mots sur de la musique d'orchestre. En Amérique, les danseurs volent les bijoux des danseuses en dansant et se battent à coups de bâton pour un mouchoir blanc. En Amérique, les fermiers règlent leurs différends avec des fourches. En Amérique, les noirs se font couper les cheveux dans des salons de coiffure réservés aux noirs. En Amérique, les mariés infidèles ont des enfants bâtards qui placent ensuite chez les vieilles femmes noires. En Amérique, les maris qui veulent se débarrasser de leurs femmes leur donnent à boire de la strychnine, mélangée avec du fromage à la place de la quinine. S'ils n'ont pas de poison à disposition, ils les battent, les traînent à terre sur le sol de la cuisine, ils les rouent de coups de pied, de coups de poing au visage, ils leur font des yeux au beurre noir. Ils les étranglent aussi. Ils serrent la gorge de la femme d'une main sans relâcher la pression pendant 3 ou 4 minutes, toujours en chantant. Ils peuvent aussi utiliser une hache ou une hachette, un couteau de préférence de boucher, un canif, un poignard, un rasoir. L'important est que l'ustensile soit tranchant. Ils peuvent aussi aller chercher une fourche, une bêche, une barre de fer, une canne, un tisonnier, une pierre, un barreau de clôture, une planche, une queue de billard, un manche de marteau ou de frein. Et si la femme est toujours en vie, ils l'achèvent avec leurs 6 coups. Les épouses font de même, mais elles préfèrent la mort au rat, qu'elles glissent dans une part de tarte au citron. Lorsque le mari se rend compte qu'il est empoisonné, il crie « Elle m'a empoisonné, c'est elle », mais il est souvent trop tard. Alors la femme crie à son tour. « Vite, mon mari est en train de mourir, mais elle espère que personne ne viendra le sauver. »